Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale. Donc je m'arrête les gars. Aujourd'hui les gars, nous actuellement, ici nous sommes tous présents aujourd'hui et nous allons aller visiter les gars la maison de Batman secrète. Donc vous allez voir la maison, pour ceux qui connaissent un peu Batman, on va visiter sa cave en fait, la cave de Batman. Et je peux vous dire que sa cave, elle est juste incroyable. Elle est magnifique. Alors j'avais déjà fait la maison d'Iron Man, pour ceux qui se souviennent, ça fait 2 ans maintenant que j'avais fait ça. J'ai fait la maison de Iron Man. Et cette fois-ci, on va visiter la maison de Batman. Donc regardez, je suis en Batman. Bon, le Batman n'est pas top niveau texture. Bon, il y avait un autre un peu meilleur, mais bon, moi j'ai voulu prendre celui-ci. Parce que je trouvais un peu sympa le fait qu'il y ait du jaune et tout, alors que l'autre il n'y avait pas de jaune. Et puis ça va, je trouve quand même qu'il passe. Ouais, ça va, il passe. Ok. Et voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai aussi pris le véhicule de Batman. Mais attention, c'est pas la Batmobile récente, hein, les toutes récentes Batmobiles de Batman en fait. Mais là, on est sur une Batmobile qui date de 1900 et quelques, je crois, il me semble. Je sais plus dans les quelles années, mais c'est pas dans les 2000, hein, c'est dans les 1900, années 90, il me semble, hein, je crois. Donc pour ceux qui se souviennent, enfin, pour ceux qui connaissent un peu cette Batmobile, normalement vous devriez savoir c'est quelle année dans les commentaires, si jamais il y a des connaisseurs. Donc voilà. Alors je me mets en première personne, les gars, déjà pour commencer. Voilà. On va vous montrer la voiture et ensuite on ira visiter la maison qui se trouve dans la base militaire, en fait, dans un entrepôt. Alors, déjà. On peut voir que la Batmobile elle est magnifique. Alors j'ai pas pris les nouvelles parce que je trouvais ça pas stylé. J'ai préféré prendre celle-ci parce que bon, elle date et elle est juste magnifique. Ça fait un peu véhicule, vous voyez les véhicules de gang là, mais en mode Batman. Elle est juste magnifique, hein, y a rien à dire. Je vais la montrer un peu de loin, voilà, de côté, de devant. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ok, maintenant on va voir l'intérieur. Alors, ah oui. Hop, on démarre le moteur. Déjà, l'intérieur, il est juste magnifique. Il n'y a strictement rien à dire. Là, franchement, attends. Hop, voilà. J'ai ouvert. Elle est bien réussie. Bon, c'est pas non plus un intérieur magnifique. Mais il y a quand même des détails. Il y a du lunch. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Le volant est plutôt stylé. Je vais regarder l'autre côté, quand même. Hop, voilà. L'autre côté, c'est comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, ce que je trouve, c'est, regardez, je vais monter dans le véhicule. C'est, voilà, vu de comme ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Et je trouve ça stylé. Je trouve ça stylé. Ok. Et bien, écoutez, c'est parti, les gars. On va aller visiter la maison de Batman. Hop, on s'installe. On ferme la porte. On va, les gars. On se remet en mode normal. Alors, il y a une petite boussole. Est-ce qu'elle bouge? Ah, elle bouge. Regardez la boussole. La boussole bouge. C'est plutôt pas mal. Voilà. On va aller voir cette maison, les gars. Oui, parce qu'il faut quand même aller voir la maison. Donc là, regardez. Ah oui, Batman, il est plutôt bien. Hein. Il est sécurisé. Il est. Ah, il y a des PNJ qui marchent tout seul. Ok. Pourquoi pas. Donc voilà, Batman, il est bien gardé par l'armée et tout. Et c'est pas mal. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien voir un Batman dans un Avengers. Pourquoi pas. Ça serait pas mal. Ok, donc là vous voyez, j'ai plutôt bien me garer, attendez, je vais bien me garer. Ok, j'ai bien me garer quand même parce que... Oh, c'est le véhicule de Batman, si on est en plein milieu de la route, les gars, ça le fait pas. Ok, là je suis garé devant chez moi. Voilà, tranquille. Ok, donc voilà, derrière cette petite maison, cette petite hangar, donc qu'on n'a jamais visité encore, hein, il y a une maison secrète. Donc on va regarder par le trou, je vais mettre en première personne. Voilà, regardez, vous voyez là, il y a une maison secrète dedans, à gauche, c'est la cave, regardez, il y a des rochers et tout, c'est la cave de Batman que nous allons aller voir tout de suite, et pour rentrer dans ce truc, regardez, attention, je vais faire un pouvoir, bam, et nous sommes dans la maison de Batman secrète, oh my, j'ai enlevé mode première personne pour le moment. Oh my god. Déjà là, on peut voir pas mal de spots lumineux. C'est assez lumineux, ouais, lumineux, comme on peut le voir.
Par contre, je sais pas où donner de la tête. Oula, c'est quoi ça? Ah oui, regardez. Eh ben, c'est le Batman là que je vous ai montré. Ah, il est sympa aussi. Bah, je vais comparer les deux. Regardez. Alors, normalement, je devais mettre ce Batman que vous voyez actuellement derrière. Et je sais pas pourquoi moi j'ai préféré celui-ci. Dans les commentaires, dites-moi si vous préférez lequel des deux. Moi, je trouve que le mien est pas mal aussi. Il est pas mal aussi. Ah ouais, mais c'est juste magnifique en fait. C'est incroyable. Donc là, on a le petit Batman. Donc, je vais mettre en première personne, c'est plus sympa, je pense, de regarder en première personne. Donc là, on a la tenue de Batman. Donc sans la tête et tout, bien sûr. Ensuite, à côté, on a ses guns. Ouais, il est pistolets normal. Il y a un Desert Eagle, je crois. Ouais, il est armé, il est armé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ici, c'est un pont. Ça a l'air d'être des serveurs un peu bousillés. Ouais. Ok. En haut, il n'y a rien. Non. On ne peut pas rentrer. Ok, il y a un rocher. Il n'y a rien du tout. Alors, juste voir. Attendez, je vais remonter. Et je vais vous montrer une vue. C'est juste magnifique. Sérieusement. Pas mal. Ok, on redescend. Alors. Ici, on a quoi? On a des sortes de launchers. Ouais. On a des caméras ici. Qui filment la même chose. Je sais pas ce que ça filme. Peut-être que Batman était en mission. Peut-être. En tout cas, il est plutôt bien équipé. C'est sûr que là, s'il doit traquer quelqu'un, il a pas mal de guns. Là, on a un petit PC, je pense. Ouais, c'est un PC ici. Avec bon, il est au calme, il est posé au calme. Il est posé au calme. Il y a juste là, t'es bien. Ensuite, ici, alors je sais pas ce que c'est. Peut-être que ici on peut mettre une. On peut rentrer. Bah, vous savez, on va faire quoi? Regardez, on va faire spawn la Batmobile. Enfin, la Bat. Ouais, Batmobile. Qui s'appelle comme ça dans le jeu. Hop. Voilà. Oula. Attendez, je crois qu'elle a spawn bizarre la Batmobile. Ah oui, regardez, elle spawn où? Je vais plutôt la faire spawn ici. Ok, c'est bon, on a fait spawn la Batmobile. J'ai eu un peu de mal parce que on est quand même dans un endroit assez restreint et j'ai l'impression de me voir conduire. Quand je fais des demi-tours, c'est un peu la galère. J'ai fait des demi-tours en 50 temps, les gars. Pour ceux qui passent le permis bientôt, faut pas faire comme ça. Bon, ici, je pense qu'on pose le véhicule, non? Ou peut-être la Batmobile, je sais pas. En tout cas, moi, je vais poser ce véhicule. Voilà, hop. Là, on rend la baraque un peu plus. Ah ouais, si, si, si. On rend la baraque un peu plus stylée, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas mal. Ensuite, on a en dessous. Ouais, je sais pas ce que c'est. Peut-être des recherches. Un labo de recherche, ça a l'air d'être un labo de recherche, ouais. Il y a des. Ah ouais, si, 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 c'est ça. Un labo de recherche, parce qu'il y a des loupes et tout. Il y a des tubes à essai, je crois. Ça me rappelle la terminale, les gars. Il y a des tubes à essai. Ouais. Ici, on a des guns. Ouais, des guns. Ah, on a un sniper ici, regardez, un viseur de sniper. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ok, ensuite, en haut, qu'est-ce qui se passe? Ah. Bon, alors on part là, je crois. Ouais, on part là. En haut, on a son armurerie personnelle. Alors, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Peut-être que c'est une porte secrète. Ouais, c'est une porte secrète, on peut pas rentrer. Bah, il est plutôt bien équipé, hein. C'est à peu près les mêmes choses que la munition. Il a du snipe, il a du bazooka, il a du pompe, c'est pas mal. Ok. Il est bien. En tout cas, Batman est bien. C'est sûr que là, s'il y a une guerre ou quoi, il est bien. Il est plutôt bien équipé. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a de bon? Ah, des trucs pour mettre des coups de poing, les gars. Ah, mais ça marche pas, je crois. Oh! Et il panique, lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Bah, petite salle de sport avec un petit entraînement pour le tir. Tiens, on va tester ça. Hop! Wouh! Il a une petite salle de tir et tout. Lui il panique. Voilà, il paniquera plus maintenant.
Ensuite, bah, la punching ball, bah, là c'est une cible encore une fois, bah tiens on va tester. Regardez les gars, hop roulade et je vise la tête. Je n'ai pas visé le gars mais c'est pas grave. Ah, encore une fois, on s'est loupé. Attention, unwin au niveau du mid, unwin. Ok, c'est bon, on a visé la tête. C'est bien ça. Ensuite, on a quoi d'autre? Après, c'est plus ok. Pourquoi pas? Après, c'est plus du spot. C'est des spots un peu lumineux et tout. Là, il y a un ascenseur, malheureusement, on peut pas le prendre. Après, c'est une cave secrète, donc forcément, il n'y a pas trop d'accès. Allez, c'est une cave, regardez. Ça a l'air d'être une cave, je sais pas ce que c'est. Peut-être que. Oh, je sais pas trop, peut-être qu'il. Peut-être qu'il vient par là. Ou... Peut-être que quand il a des rendez-vous, les gens viennent par là, je sais pas. Ok. C'est tout, je crois que c'est tout. On peut pas. Il n'y a pas d'autre chose. On a fait un peu le tour. Donc voilà, après, c'est une cave. Hein. C'est forcément une cave. Ça va pas être non plus comme la maison d'Iron Man où elle était un peu plus équipée. Là, c'est vraiment un truc basique, j'ai envie de dire. Sa cave, quoi, en gros, là où il stocke des armes, il fait ses recherches et tout. Il n'y a pas forcément non plus un million de choses. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était la maison de Batman. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Bad night, bad night. Ciao, ciao.